Bonjour! Techniquement, j'ai le droit de dire bonjour parce que si la vidéo sort comme prévu à 4h du mat, on est très tôt la journée, donc bonjour. Aujourd'hui, on va faire une petite réaction au deuxième trailer de Spider-Man No Way Home qui, normalement, devrait sortir à 2h30 du mat. Il est actuellement 2h. Donc voilà, on l'attend patiemment. Normalement, je fais pas de vidéo réaction, mais écoutez, là, je me suis dit, allez, on s'en fout, on en fait une. Ce film, c'est. Pas un truc qu'on va revivre de si tôt, donc autant profiter du truc à fond, tu vois. Donc boum, vidéo réaction à 2h du mat, même si après j'ai cours, on s'en fout. Juste je vais peut-être pas faire trop de bruit parce que du coup vu qu'il est 2h du mat, il y a que moi et Titi qui sommes réveillés. Ouais, salut. Salut Titi. Oui, donc pas trop de bruit, et juste si vous voulez savoir un peu où j'en suis moi par rapport à mon avis sur le futur Spider-Man No Way Home qui sort le 15 décembre au cinéma en France, allez voir cette vidéo où j'en revenais à partir du premier trailer sur mes peurs, mais également mes attentes. Et du coup, là, on va voir avec ce deuxième trailer s'il sort bien à 2h30. J'espère ne pas m'être fait couiller. Eh bien, si c'est toujours la même chose, si je suis toujours aussi craintif par rapport au film, je sais pas si ça se dit, mais en fait, si tu veux, il est de 2h30 du match, je suis fatigué. Bref, allez, on regarde ça. Ok. Donc il y a son nouveau costume, il y a Electro, il y a Bouffon Vert. Ever since I got bit by that spider, Ok. I've only had one week. Yes, il parle des responsabilités de Spider-Man, oui. That was when you found out. Oh non, c'est trop mignon. Très classe. Ok. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man. Started getting some visitors. Ah, ok. Ok. Every universe. Electro, ok, la nouvelle tenue, pas mal. Octopus. Hello, Peter. Salut, ma gueule, ça va? Ouf, ok, les effets spéciaux de l'Iron Spider, pas fou, hein. Oh! Bien! Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. On a beaucoup de balancement de Spider-Man, pour l'instant c'est bien. Flying out into the dark. Oh, Jameson. To fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. Ok, donc on. C'est bien, c'est bien. Yeah, me too. Don't. Putain, non, donc c'était vrai ça aussi? There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Ok. Sur la statue de la liberté. Ok. Wow. Ok. Ah, les bâtards, ils sont en train de. Non. Il va devoir choisir entre sauver Ned ou MJ. Oh sa mère. Oh putain. Boah. Voilà là là. Alors, je vais le regarder deux fois. Nous allons maintenant le regarder image par image pour voir ce qu'il s'y passe. Donc, ça commence avec la scène sur la statue de la liberté en pleurs. Ça c'est très bien, cette phrase là, génial, c'est du pur Spider-Man. Depuis que je suis Spider-Man, ma vie c'est de la merde, ça c'est génial, c'est très cool. En plus le fait qu'après ils disent ça a été normal quand je t'ai révélé que je t'aimais, c'est trop mignon. Ça encore une fois, la relation entre MJ et Peter va être amenée davantage dans ce film, c'est cool. Comme je disais avant, on a beaucoup de balancements dans ce film, j'ai l'impression. Déjà là dans le métro,
c'est génial. C'est des trucs qu'on a vu dans les dans beaucoup de dessins animés Spider-Man qu'on a vu dans pas beaucoup de films. Le fait que Spider-Man aille dans le métro et se balance comme ça. Donc ça, c'est parfait. Bon, pauvre MJ quand même. Apparemment, par rapport à Strange, dans la bande-annonce, ils ont l'air de dire que c'est bien la faute de Strange cette fois-ci. C'est vraiment Strange qui a merdé en... Enfin, comme dit MJ, c'est de sa faute parce qu'il a fait un sort qu'il n'était pas censé faire. Donc, ok, pourquoi pas. On a les mêmes scènes que dans le premier trailer où ça part en couille. Les méchants qui viennent. La bataille sur le plomb, d'accord, donc il y a déjà Bouffon Vert qui vient. Electro. On a la tenue noire et dorée qui va porter avec les pouvoirs de Strange qu'on a vu derrière. Moi, une remarque que j'ai, c'est que quand même, il y a beaucoup de plans où tu sens que le truc est en full effets spéciaux et ça fait très artificiel du coup, parce que c'est pas réel. Et bon, j'espère que pour le film, ça sera un peu mieux quand même, parce qu'il y a beaucoup de plans où... C'est pas très joli. Octopus qui a l'air beaucoup plus violent genre que dans, dans la première bande-annonce. Alors moi, la question que j'ai par rapport à ça, c'est... Octopus, quand il parle, on comprend qu'il se rend compte que c'est pas le même Peter que lui. Mais alors, donc ça c'est bien du coup, mais la question c'est pourquoi dans tous les cas il attaquerait Spider-Man. À la fin de Spider-Man 2, Octopus est gentil, donc peu importe qui est sous le masque de Spider-Man, qui pense que ce soit Tobey ou Tom Holland, il découvre que c'est Tom Holland, dans tous les cas il devrait pas l'attaquer. Ce qui a l'air de montrer le film, c'est qu'en fait tous les méchants, c'est pas vraiment eux, c'est genre... comme il dit, des fantômes du passé qui viennent hanter Spider-Man. Je comprends l'idée, mais... Non, ça... Vu que c'est pas les méchants de Tom Holland, ça vient hanter... Enfin, c'est le fantôme dans la maison que tu connais pas, tu vois, c'est pas... Ça aurait pu être mieux, genre si c'est le fantôme de ton grand-père, là t'es plus investi émotionnellement. Là, si c'est un fantôme random que tu connais pas, bon... Au moins... Donc, alors, la baston du pont, on a que des previews par rapport à ça. Ça a l'air bien, mais comme je dis, vraiment, les effets spéciaux sur l'Iron Spider, c'est vraiment pas fameux. Par contre, comme on avait dit, on a l'impression qu'Octopus est en train d'absorber l'Iron Spider, est en train de péter la gueule de l'Iron Spider, ça c'est parfait. Je suis très content, parce que cette tenue est vraiment nulle. Cette scène n'est pas fou avec Octopus, parce que... Wesh, pourquoi vous moquez de son nom, hein? Et surtout, ça fait vraiment blague pas folle, quoi. Donc encore une fois, du balancement, parfait, c'est cool. Pareil, Doctor Strange avec son Scooby-Doo, mais... Je comprends pas pourquoi ils font ça, c'est un peu chiant. On voit Jameson devant le poste de police, ça c'est cool. Electro, alors, très classe aussi. Je dois dire, d'un côté, j'aime bien ce que dit Strange, en mode, ils sont tous morts en affrontant Spider-Man, c'est juste leur destin de crever à nouveau. Et du coup, je comprends que Peter, face à ça, dise « Ouais, mais non, on peut pas les laisser mourir juste comme ça. » Mais c'est ce que j'avais dit sur Twitter, c'est que ça veut dire qu'en fait, il y avait une rumeur qui disait « Oui, donc Peter est manipulé par Willem Dafoe et va libérer tous les méchants. » Là, ça a l'air peut-être d'être ça. Et à la fois, je comprends l'idée, mais dans les faits, bah, faudra attendre de voir à quoi ça ressemble, parce que dans les faits, ouais, je trouve pas ça foufou. En tout cas, on voit la nouvelle tenue avec les bandes dorées. Elle est pas moche. Mais ouais, l'ancienne était mieux, je trouve, quand même. Ok, j'aime bien, du coup, cette adversité entre Strange et Peter. Où, pour le coup, on sent qu'on va faire s'affronter leurs deux idéologies. Et en fait, en y réfléchissant, le fait que, justement, le Peter de Tom Holland, ça soit pas assez méchant à lui, rend possiblement cohérent sa façon de penser. Les mecs, il les connaît pas, on lui dit que c'est un méchant, mais justement, il ne les connaît pas. Donc pour lui, il voit ça d'un nouvel œil, et il se dit, bah non, on va pas juste les tuer comme ça, en fait. Ça, du coup, ça paraît presque cohérent qu'ils disent justement à Strange, non, on les tuera pas. Là où Strange, lui, pour le coup, s'en fout. Strange veut... Ah, comme j'ai dit, j'aime bien le concept, mais il y a un truc qui bloque, quoi, c'est... Là, pour l'instant, ce que montre le film, ce que montre cette bande-annonce, les deux bandes-annonces, c'est, ok, en fait, tout ce qui arrive, du coup, c'est un peu la faute de nos héros, un petit peu, et ça me fait chier. Même si j'aime bien l'idée, ça me fait chier, quand même. Bon. Il y a le lézard et l'homme sable, du coup.
Ça, c'est les phrases typiquement Spider-Man, j'adore, je peux pas sauver tout le monde, parfait. Alors, j'aime beaucoup le plan où il y a le lézard qui saute d'un échafaudage pour... Ok. Alors, par contre, le problème, c'est si jamais Toby et Andrew sont dedans, ce plan-là, c'est carrément pas le plan qu'on a dans le film. Si jamais ils sont dedans, ce plan-là, tu vois à côté, c'est sûr, on verra à côté de Tom, Andrew et Toby, qui eux-mêmes se jettent sur leurs marchands respectifs. Parce que, ouais, je pense. En plus... Au niveau des leaks qu'on a eu, c'est exactement le lieu avec les échafaudages, donc ouais. Après, comme je dis, il y a énormément de scènes d'action qui sont super jolies, mais putain, les effets spéciaux, ils ont pas l'air fini, et je me dis peut-être que pour la sortie cinéma, ils ont pas forcément le temps, et bon, un peu chiant, quoi. Mais là, cette scène, ça va nous faire un putain de dilemme. Ça, je vais pas être prêt à le voir au cinéma. Là, de ce qu'on nous montre, c'est justement, il va devoir sauver soit Ned, soit MJ, et... Putain, mais pourquoi il peut pas juste être heureux? J'en ai marre. Je viens même de regarder le trailer 4 fois. Encore une fois, c'est mitigé. Bah, je vais pas répéter du coup ce que j'ai dit quand j'ai fait l'analyse image par image, mais... Il y a du bon, il y a du moins bon. On met vraiment l'accent sur la dualité entre Peter Parker et Spider-Man. C'est peut-être qu'il essaie de combiner deux vies à la fois, et ça c'est cool. Mais de l'autre côté, bah, je pense toujours que le fait de ramener les méchants sort... de nulle part et ramener les anciens méchants ça marche pour l'ambiance, ça marche pas pour le personnage, il les connaît pas, donc bon, de ce côté là je suis toujours pas convaincu. En plus il y a Toby et Andrew dedans, voilà, je pense carrément qu'ils sont dedans. Il y a certains leaks qui correspondent tellement à ce qu'il y a dans cette bande-annonce au niveau des sets et tout, donc ouais, non, c'est sûr, ils sont dedans. Par contre, quoi d'autre? Oui, donc non, cette bande-annonce est cool. Beaucoup de balancement, bien. La musique, géniale, mais ça, c'est la musique de bande-annonce, donc bon, pas trop de rapport. Comme j'ai dit, j'ai une petite appréhension au niveau des effets spéciaux. Je me demande si ils seront vraiment bien finalisés à temps. Pour l'instant, ils ont pas l'air... Enfin, il y en a certains qui sont pas fous. Voilà, bon, le film a l'air cool. Le film a l'air cool, évidemment, je suis hypé. Et il y a beaucoup de points que j'apprécie vraiment, mais c'est comme d'hab, comme pour le premier trailer, en fait, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que sera le résultat final? Et est-ce que vraiment c'était nécessaire de ramener tous ces anciens méchants que notre personnage n'a aucun lien, aucune connexion, qui connaît pas... qui ont littéralement rien à foutre là, bon. Surtout qu'en plus, là, on confirme vraiment que littéralement, c'est la faute de nos personnages, quoi. C'est-à-dire, non seulement, parce que Strange des cons, les méchants viennent, foutent le bordel, en plus, parce que Peter a un idéal de on tue pas les gens, qui peut être respectable, mais on parle quand même des pires méchants de Spider-Man, et là, pour le coup, enfin, il juste écoute Doctor Strange, en fait. Tu sais qu'il est pas super... Au vu de ce qu'il a fait là, évidemment, c'est pas le mec le plus responsable, mais quand même, écoute-le quand il te dit que c'est des méchants de Spider-Man, ils veulent ta peau. Essaye pas de les sauver. C'est évidemment, faut pas les buter, mais là, quand même, on parle de la survie de l'univers, mon ref. Bon, c'est un dilemme intéressant, au moins à développer dans le film, donc pourquoi pas. Mais là, de ce que ça montre, c'est ouais, le film, clairement, existe à cause de nos personnages. Alors que si on avait juste pris la fin de Far From Home, au contraire, c'est nos personnages subissent. C'est un truc qui leur tombe dessus comme ça, tu vois. Bon. Écoutez, on verra. La conclusion, c'est que je suis hypé. Ce deuxième trailer est cool. Encore une fois, point positif, point négatif. Mais ça, c'est comme tout. Rien n'est parfait. Donc voilà. On ferme le rideau. Ah, il est quelle heure? À 2h56. Je sors ça, je ne sais pas quand. Dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo réaction vous aura plu. Je pense pas qu'elle va rester éternellement sur la chaîne. Peut-être que je la mettrai en non répertorié. Mais dans une playlist pour que vous puissiez la récupérer, j'en sais rien. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voilà, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Donc à plus !